Bonjour, mon nom est Sky Mitchell. C'est la deuxième fois que j'ai le très grand plaisir de participer à un recueil de poésie proposé par les éditions MP13A. Il y a plusieurs mois de cela, les éditions m'ont proposé un tableau sur lequel je devais m'inspirer. Tableau lui-même inspiré d'une chanson de Richard Desjardins, Le cœur est un oiseau. Chanson qui elle-même s'est retrouvée dans un film, Le Parti. Party, je ne sais pas comment je le prononce, peut-être très mal, qui se passait dans une prison dans les années 90. Et la chanson, elle, date de 1988. Donc je me suis inspirée de la chanson, du tableau, du film. J'ai regardé à peu près tout ça et j'ai vu ce qui résonnait en moi. Je vais vous lire dans quelques instants mon poème qui s'appelle Mon oiseau bleu. L'oiseau bleu, ça fait référence à un conte pour enfants qui a bercé mon enfance. Ça fait référence également à un film avec Shirley Temple des années 40 sur un conte pour enfants écrit par un auteur belge dans les années 1908. Je pourrais pas vous prononcer le nom parce qu'il est un peu difficile à prononcer. Mais faites une recherche et vous verrez, c'est le film, ça a bercé toute mon enfance, vraiment. Et l'oiseau bleu, pour moi, c'est le Québec. Donc, tout associé à un auteur, une chanson québécoise, un artiste aussi, et tout ça m'a fait remonter dans mon enfance et dans ce bel oiseau du bonheur qui est l'oiseau bleu. L'oiseau du bonheur, celui qui apporte le bonheur. D'ailleurs, j'ai, en faisant une recherche, vu un film des années 70 avec Elizabeth Taylor qui fait la fée dans ce film un peu kitsch des années 70, mais c'était agréable de voir Elizabeth Taylor jouer la fée et parler et nous raconter avec les deux petits-enfants, Tyltyl et Miltyl. Vraiment, ça m'a replongé dans mon enfance. Il y a de très grandes chances pour que ce soir je le regarde à nouveau. Et c'est très 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 beau. Donc, voici mon poème. Il était une fois un bel oiseau bleu qui de son chant mélodieux, s'envolant très haut dans les cieux, toucha mon cœur et apparut à mes yeux. Fruit du germe d'un espoir planté en plein cœur de la grande noirceur, mon oiseau du bonheur naquit dans les larmes et dans les pleurs. Il a su affronter les mesures d'hier, terribles mesures de guerre. Gardant un cœur droit et fier, il sut protéger son peuple et sa terre. Un beau soir, il est venu me chercher, m'emportant loin des terres du passé, où nous sommes envolés très haut, très loin. Ensemble, nous ne formons plus qu'un. M'arrachant à la terre de France, tu m'accueillis en ton nid. Bel oiseau bleu de mon enfance, près de toi, je retrouve mon esprit. Bien au-delà des miradors, terrible mirage de la mort. C'est en toi que j'ai trouvé mon trésor, mon amour, ma terre et ce peuple que j'adore. Pays de l'hiver, tu es ma loi. Dorénavant, je ne vis que pour toi. Envolé, évadé, guidé, puis libéré, maintenant, j'ai une raison d'exister. À bientôt. Bye bye. Chasseurs dans les mains de la mort, ils s'envolent encore plus haut, plus haut. Le cœur est un oiseau. Dans les yeux des miradors. Comment faire pour vous procurer ce magnifique bijou littéraire intitulé « Je vibre au tempo 2 » qui contient 208 pages en couleur et de haute qualité, qui réunit le talent de 90 créateurs? Eh bien, c'est très simple. Vous n'avez qu'à vous diriger sur le site des éditions MP13R ou à venir faire une visite à la galerie MP13R située à Durham-Sud, au centre du Québec. Dans les rues
de nulle part. Au milieu des déserts, de froid, de faim et de fer, contre la tyrannie, il refait.